باب خطأ دون غير من الخرم شاكر يا جرو. Alors, Masechet Yebamot, Daf Kuvayin, Perek Bet Shamay. Nouveau Perek. Alors, nouveau Perek. Dans ce Perek-là, on va parler de tout ce qui est Mioun, Khalitsa, Yiboum pour la Ktana. Pour une fille qui est Ktana. On va parler, au début, on va parler du Mioun. On va appeler le fameux Mioun d'une fille qui a été marié par sa mère ou par son frère, donc qui n'a pas son père, parce qu'on sait que normalement, Minatora, une fille qui a son père il peut la marier, comme il y a marqué dans la Torah, Bitinatati Leishazé, un homme peut marier sa fille, même contre son gré. Même contre son gré, on lui demande pas son avis, elle est Ktana, elle n'a d'ailleurs pas d'avis, on lui demande pas son avis, et elle est mariée par le père. Maintenant, là, on va parler dans la Mishnah, dans les cas où... Quoi, pour le père, pour le père. Le père, dès que la fille, elle divorce, parce que dès qu'elle divorce, elle est plus sous la tutelle du père. On avait appelé ça au début de la Maseret, une fille qui a été mariée par son père et qui après divorce du mari, Elle a divorcé par son mari. Elle était mariée Minatora parce que c'est son père qui l'a mariée. On appelait ça Yetoma Bechayav. Elle avait son père, mais elle est considérée comme une Yetoma. Ça veut dire qu'après le père, il ne peut plus la marier. Ouais. Même si elle est encore Ktana. Parce qu'à partir du moment où elle est devenue femme mariée, ça lui donne un statut d'être indépendante. J'imagine. Donc, là, ce qu'on va parler maintenant, c'est dans le cas où la fille n'a pas de père. Donc, elle n'a plus cette autorité parentale du père qui lui donne le droit de la marier, mais malgré tout les Khachamim nous ont dit une fille on la laisse pas sans cette possibilité de marier. Pourquoi? Parce que les gens ils auraient pu, ce que la Gemara va nous dire, mitnag minag efker, ça veut dire que si on donne pas cette possibilité de mariage, ben la fille ben, ouais, peut-être qu'ils vont lui faire des bêtises ou des choses comme ça. Donc au moins on donne ce cadre du mariage qui est un petit peu quelque chose de cadré pour pouvoir, même si pour nous ça nous semble bizarre de marier une fille avant 12 ans, mais en tout cas, les Khamim ont donné cette possibilité-là de mariage. C'est un mariage qui est des Rabbanan. Maintenant, une Ktana divorcée, qui reste encore Ktana, elle n'a pas de date, donc comment elle va se remarier? Elle ne peut pas se remarier, elle attend qu'elle attend de grandir. Elle ne peut pas se remarier? Ouais, elle peut pas. C'est interdit. Alors, non, justement, alors, par son frère ou pas, elle reviendra dans la même catégorie que celle qui n'a pas de père, qui est mariée Midera Banan par la sœur et. Par la mère et le père. Par la mère et le frère, et le père aussi, mais qui n'est plus encore le père, quoi. Elle rentre dans cette case-là de Midera Banan. Elle peut faire Mioun. Et elle fera Mioun, exactement. C'était dans ce cas-là. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'on a vu au début de la Maseret, la fameuse petite qui tombait devant son père, et on disait qu'elle pouvait faire le Mioun. Comment elle tombe devant son père en Yiboum, et elle peut faire le Mioun si elle a un père, elle peut pas faire le Yiboum. On avait expliqué que elle était Yetoma Bechayav, elle avait été mariée une première fois, elle divorçait, et donc elle est devant le père, elle peut faire le Mioun, puisque cette fille-là, elle n'a pas été mariée par son père. En tout cas, là, ce qu'on va voir, c'est la mitzvah de Mioun, et on va voir beaucoup d'alachot par rapport à l'alacha de Mioun, beaucoup de machloktot entre Betsham et Betsham au début. On nous dit la Mishnah. On a dit que la mère et les frères, ils peuvent la remarier une deuxième fois, la Ktana. Alors, on va pas être, on va rentrer dans tous ces détails-là. Est-ce que dans le principe, on va voir que c'est une machloket de Tanaïm. Maintenant, on nous dit la Gemara. Betsham et Omri. Betsham disent que. Donc, après, il y a aussi une différence qui est fondamentale aussi entre un mariage de Raïta qui peut être fait par le père, même sans la volonté de la fille, alors que le mariage des Rabbanan, il dépend forcément de la volonté de la fille. C'est d'ailleurs ça le principe du Mioun. Le Mioun, c'est de montrer qu'elle n'est pas d'accord. Donc, forcément, il faut que ce soit avec son accord. Parce que si elle n'est pas d'accord, c'est tout de suite Mioun. C'est Ktana. Si elle a été mariée par la mère et par le frère, là, elle ne peut pas être mariée de force. Pas là, la mère, elle dit bon, tu te tais, je te marie, c'est tout. Elle a dit non, je ne veux pas. Mioun. Même Ktana. Même Ktana. C'est le principe du Mioun. Le Mioun, c'est de refuser un mariage. Je croyais que le Mioun, c'était une fois qu'elle devenait Ktana. Non. On va voir que le Mioun, c'est même quand elle est Ktana. Quand elle est Ktana, même quand elle fait Mioun. Ah non. Alors, Bet Shammai Omrim, En Memanim et la Roussot. Alors voilà. Dénoncer le mariage. Dénoncer le mariage qu'on lui avait fait contre son gré. Alors voilà. Non, c'est justement avant. Regardez la machloquette, Bet Shammai et Bet Hillel. Ici, on va voir plusieurs machloquettes entre Bet Shammai et Bet Hillel. Alors, t'es avec nous, Yohann ou pas? T'es avec nous? Attends, mais je me suis rendu compte, ça fait deux jours que j'ai pas envoyé les trucs. Ah ouais, mais quoi, tu les as? Ils sont. Ah oui, vas-y. Ouais. Dis-moi, c'est pas normal de dormir là.
D'habitude, tu dors pas. Hein? Ouais, je me suis reposé. Ça, je peux pas. Alors, en tout cas, donc, celui, tu peux envoyer le lien, Arif, ça marche pas? Ah, c'est vrai. Là, tu l'as envoyé. Ah, non, c'est super. En tout cas, Miout, c'est un mot en hébreu. Même on l'a vu dans le pasouk de la parashat de Yiboun. Mais En Yébami. Ah, mais le mot mioun, ça veut dire refuser, c'est refus. Oui, c'est un refus. Refus en hébreu. Même en hébreu, on peut dire. Enfin, en hébreu, c'est marqué dans la Torah. Je refuse ce gâteau. Ani Memahen. C'est le maskim, Memahen, c'est un petit peu plus élaboré, mais c'est. Là, c'est Daf Kuzayn. Alors. Alors, nous dit la Mishnah. Bet Shammai Omrim en Memahanim et la Arousot. Ou Bet Hillel Omrim Arousot Nesuot. Première marque entre Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Shammai, le mioun ne peut être fait que si la fille, elle n'est que fiancée. Que la fiancée. Celle qui, dès lors qu'elle est mariée, elle ne peut plus faire le mioun. On va expliquer dans plusieurs raisons pourquoi. Mais d'après Bet Shammai, dès que la fille, elle est Nesua, elle ne peut plus faire le mioun. Pourquoi? Parce qu'enfin, on va expliquer pourquoi. Dès qu'il y a eu cette étape-là de relation, on va voir de même de Khoupa, qu'elle est un petit peu entrée sous la tutelle du mari. Ça y est, il n'y a plus de mioun. Les Khachamim ont donné cette possibilité d'annuler le mariage que tant que c'est la période de fiançailles. Après la période de fiançailles, on n'annule pas. Ça, c'est Bet Shammai. Bet Hillel, ils te disent « Arousot Nesuot » tout le temps. Quoi qu'il arrive, elle est Ktana, elle annule. Excuse-moi pour bien comprendre. C'est-à-dire, si elle peut renoncer, pourquoi elle ne renonce pas avant d'avoir fait les fiançailles? Ah, on parle d'un cas où elle a changé d'avis encore d'autre. Ah, ouais. C'est un chant. Non, on a l'impression que c'est contre son gré qu'on l'a. Non, non, justement, ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit. Non, c'est ce que j'ai dit, que par définition, dans le mariage des Rabbanan qui est fait par la sœur et la mère, il n'est que avec sa volonté. Par définition. Donc sa volonté, elle change d'avis. Et elle fait mioun. Exactement. Et elle peut faire mioun tout le temps, quoi. La sœur, on n'est pas stable. Elle peut se réveiller à 17 ans, elle fait mioun. Non, on va parler de ça aussi. Là, pour l'instant, on parle de mioun qui est faite quand elle est ktana. Quand elle est ktana, elle fait le mioun. Maintenant, après de faire le mioun quand elle a 17 ans, c'est si elle n'a pas eu de relation entre temps. Depuis la période de Gdoula. Parce que dès qu'elle a eu la relation, ça a tout de suite validé le mariage de Horaïta. En tout cas, nous dit la Mishnah, Bet Shammai Omrim Bebaal Velo Beyabam. Ou Bet Hillel Omrim Bebaal ou Beyabam. D'après Bet Shammai, ça c'est important aussi, d'après Bet Shammai, le mioun, il ne peut être fait qu'envers le mari. Ça veut dire que si jamais la femme, cette Ketana là, elle est mariée à un type, elle peut faire le mioun, refuser d'annuler le mariage, le déraciner. Mais par contre, si jamais elle est mariée à quelqu'un, ce type là il meurt son enfant, et après elle tombe en yiboum devant les frères, là d'après Bet Shammai, elle ne peut pas faire le mioun envers les frères. D'accord? C'est une Khalitsa et donc elle est Khalotsa. Une femme qui, d'après Bet Shammai, une femme ne peut pas faire le mioun devant le yabam. C'est-à-dire que c'est seulement devant le mari. Dès que le mari meurt, s'il meurt son enfant, elle pourra pas faire je fais le yiboum. J'ai pas envie de faire khalitsa parce que j'ai envie de me garder cette possibilité de marier avec des kohanim. Si je fais une khalitsa, je suis khalutsa. Ah. Je peux plus marier avec des kohanim. Elle peut pas dire j'annule le mariage, je fais mioun sur le mariage de celui qui est mort. Ça, c'est Bet Shammai. Bet Hillel, elle te dit, même envers le yabam, on peut faire le mioun. Et on verra qu'est-ce que ça veut dire exactement le mioun envers le yabam. Est-ce que c'est un mioun sur la zika ou c'est un mioun envers la personne elle-même? On verra. Mais si tout cas, le mioun avec son, si on considère qu'elle fait mioun avec son mari, ah oui, on peut pas faire mioun s'il est mort. C'est exactement ça, c'est Bet Shammai. Bet Shammai te dit on peut pas faire le mioun s'il est mort. D'accord. Après Bet Hillel te dit que même avec le yabam on peut faire le mioun. Maintenant dans la période qui est entre les deux, donc avec Shomeret Yabam, c'est ça, moi ça, Shomeret Yabam, c'est ça qui parle. D'après Bet Shammai, d'après Bet Hillel, on peut faire des mioun dans ce cas-là. Troisième halakha, Bet Shammai Omrim Befanav ou Bet Hillel Omrim Befanav et Shomeret Befanav. D'après Bet Shammai, je veux dire, c'est seulement Befanav, seulement devant le type. Le mioun, ou Bet Hillel Omrim Befanav, je dois Befanav, même s'il n'est pas là, elle veut faire le mioun, elle se met au Bedin toute seule. On verra dans le Bedin, on verra juste après, mais en tout cas, elle se met devant des témoins ou quoi que ce soit et elle fait un mioun même quand le type n'est pas là. Voilà, c'est un autre détail, on en parlera après. Bet Shammai Omrim, quatrième machloket. Bet Shammai Omrim Bevet Din. Bet Hillel Omrim Bevet Din, Meshul Bevet Din. Bet Shammai disent que le mioun doit être uniquement être fait au Bet Din. Donc d'après Bet Hillel, c'est soit au Bet Din, soit pas au Bet Din. On peut le faire même en dehors du Bet Din. Il est Michael partout. Hein. Voilà. Il est Michael partout, exactement. Amrou, là, M. Bet Hillel. Hein? Voilà, en tout cas, c'est le point où ils sont d'accord. Amrou, là, M. Amrou, là, M. Bet Hillel et Bet Shammai, Memaenet, Veiktana. Que ça existe, que le mioun existe. Amrou, là, M. Bet Hillel et Bet Shammai, Memaenet, Veiktana. Aflou, Dalet, Vehe, Permim. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que d'après Bet Hillel, Amrou, là, M. Bet Hillel et Bet Shammai, ils ont dit à Bet Shammai qu'une fille peut faire le mioun tant qu'elle est petite,
même 4-5 fois. 4-5 fois, elle se marie, remarie, à chaque fois, nioun. Et Amroulem, Bechamé, ils ont dit, En Bnot Israël Efker. Les jeunes filles d'Israël ne sont pas Efker, c'est pas la fête. Imagine-toi, c'est après, elle peut peut-être juste vouloir aller avec un homme et on va lui faire arriver un petit mariage. Demain, tu fais le mioun, c'est pas grave. J'ai rencontré Omar plusieurs fois. Puisqu'on avait dit que quand elle fait mioun, son père a perdu son autorité. Non, de toute façon, mioun, c'est qu'il n'y a pas de père. Donc il y a dans le vrai mariage de Raïta, le frère et la mère peuvent la remarier d'après Beth Hillel. D'après Beth Hillel, ils peuvent la remarier plusieurs fois. Ça veut dire qu'ils peuvent dire plusieurs fois. Ils peuvent dire voilà, ma fille était entre ces deux-là. Bon, c'est pas grave, c'est celui-là. Si t'aimes pas, tu fais mioun. Demain, tu prends celui-là. T'es entre trois. Bon, tu peux essayer chacun. Et après, tu fais mioun. Beth Hillel te dit non. Les Bnot Israël sont pas FKR. C'est pas du FKR. Et donc mioun, c'est une fois. Si elle a utilisé son joker de mioun, elle attend jusqu'à qu'elle grandisse et après elle se marie. Ou après le mariage? Ça dépend de la marque de Beth Shammai ou Beth Hillel, après le fiançailles ou après le mariage. Mais malgré tout, même si Beth Hillel lui dit que, même si Beth Shammai, je veux dire, il dit que c'est vrai que c'est pas vraiment du vrai FKR, parce que c'est que d'après Beth Shammai, le mioun, de toutes les façons, il est que pendant qu'elle est fiancée, alors qu'elle a pas encore été touchée. Ouais. Mais, malgré tout, c'est quand même un petit peu, le fait qu'elle est en rapprochée de tant d'hommes que ça, hein, c'est pas quelque chose que, Beth Shammai accepte. Voilà. Et Beth Shammai te dit non, même 4-5 fois, c'est pas grave. Et donc, surtout d'après Beth Shammai, elle pouvait carrément être mariée. Et le mioun est encore valable. Et malgré tout, d'après Beth Shammai, ça le dérange pas. Très bien, ça c'est la Mishnah. Donc on a vu combien, 5, 6 marlocotes. Comment Beth Shammai, même une fois marié, il accepte de pas venir? Non, c'est-à-dire qu'une fois, oui, mais pas plus. Ah, malgré qu'elle soit mariée déjà? Non, une jeune fille, une petite fille de 7-8 ans, elle n'a pas de père, sa mère elle veut la marier, elle la marie, après, à 9 ans, elle n'est pas contente, il ne lui a pas acheté les bonbons qu'elle aime bien et tout ça, elle n'est pas contente, alors elle fait mioun, après c'est terminé. Elle ne peut pas se remarier avec un autre. Non, mais sur le c'est les mariés, c'est mort. Mais voilà. c'est suivant sa volonté, donc pas la volonté de ses parents. Ça, c'est le mioun, c'est dépend de sa volonté. C'est quand c'est elle qui décide de faire le mioun ou pas. Alors maintenant, après, il y a des cas où on va l'encourager à faire le mioun. Il y a des cas où on va l'encourager à faire le mioun. Vous vous rappelez, un des cas où on encourage la fille à faire le mioun, on avait vu, c'était par exemple, si jamais il y a un hiboum qui arrive de l'autre côté avec. Les autres, sa sœur. La sœur, elle tombe en hiboum devant son mari actuel. On a vu dans ce cas-là, on va en reparler plus tard, ça va être justement le daf d'après. On avait dit qu'on lui apprenait à faire le mioun, c'est-à-dire, d'après un avis, on lui disait, fais le mioun, parce que de toute façon, ton mariage, toi, il est que des rabananes. Libère l'histoire pour que ta sœur, au moins, elle tombe en hiboum devant le yabam, et que vous ne soyez pas deux sœurs rattachées au même homme. J'ai du mal à comprendre que pour le mariage, on considère qu'elle n'est pas de date, et par contre, pour le mioun, on considère qu'elle est du date, alors qu'elle est dans la même catégorie d'âge. On n'a pas dit qu'on considère qu'elle a du date, c'est pas un date. Elle prend la décision de renoncer. C'est forcément. C'est moins fort, là. Elle est fiancée, l'autre elle est mariée. Mais même mariée. Elle s'arrête sur sa volonté. C'est sa volonté de. Donc soit elle a du date, soit elle n'a pas de date. Non, elle a un petit peu de date pour pouvoir décider de sa volonté avec lui. On ne parle pas d'une fille qui est. Para où il est chinour, là, on parle pas d'une fille genre Tinoquette qui est. Avec Tana, elle n'a pas un date suffisant pour faire des kinyanim, pour faire des choses qui sont des admidoraïta. Mais maintenant, si elle est consciente, etc. Elle va dire que c'est quelqu'un qui est capable de garder l'argent. C'est pas vraiment un bébé. C'est pas un bébé. C'est pas comme le chinour, 5-6 ans. C'est bon, déjà, elle est déjà réunie avec le chinour. Voilà, on verra vraiment parler dans l'agmara. Amarav Yuda Amar Shmuel. Donc, maintenant, l'agmara va essayer d'expliquer la première marloquette. Est-ce que le mioun peut être fait même quand elle est mariée? On avait dit que d'après Beth Shammai, c'était uniquement quand elle était fiancée, alors que d'après Beth Hillel, même quand elle est mariée. Amarav Yuda Amar Shmuel. Donc, on va avoir 4 explications à cette talakha là. Non, alors, on va en parler tout ça dans la suite. Maïtama de Beth Shammai. Oui, c'est pas dans le berceau. Pas dans le berceau. Quand elle est petite. Par contre, un père, oui. Un père, lui, il n'y a pas besoin du date de la petite fille. Il fait ce qu'il veut. Amar Avuda Amar Shmuel, Maïtama. Hein?
Le père, il peut marier sa fille. Ah oui, il peut même la marier. Il peut même la marier à un lépreux. S'il veut. Il veut énerver sa femme, il dit voilà, ta fille, je la marie à un lépreux. Mais il faudra que ça va maintenant, ça. C'est ça, c'est que même si elle a une vie avant 12 ans, elle peut aller avec un Cohen après. Si elle a fait mioune. Si elle a fait mioune, ouais. Si elle a fait mioune, ça annule le mariage. Amavida Marshmuel, Maïta Amade Bet Shamay. Pourquoi Bet Shamay dit que le mioune ne peut pas être fait? Tout ça, c'est de la chôte des rabbanan. Donc, explique-moi la logique. Pourquoi Bet Shamay, lui, il vient et te dit que le mioune ne peut être fait que quand elle est fiancée. Et dès qu'elle est mariée, il n'y a pas de mioune. Pourquoi? Alors, plusieurs explications. Première explication, c'est l'explication de Shmuel, qui nous dit que les filles chez Entnai Beniswin. Normalement, il y a une halakha que dans les nisouin, donc après le vrai mariage, donc la choupa, les nisouin, pas les kiddushin, le tnaï normalement, c'est ce qu'il dit Shmuel, ne marche pas, même quand une femme gdola, quelqu'un qui fait une condition et qui dit voilà, je veux me marier avec toi sous la choupa, à condition que tu aies telle qualité. D'accord? Et après, il s'avère qu'il ne l'a pas. Le tnaï ne remet pas en question les nisouin. Le tnaï ne marche pas dans les tweets. Hein? Et donc, faut un get. Il n'y a pas de tnaï dans les tweets. Maintenant, si les gens, ils vont voir qu'après les tweets, le mioun, existe, les gens, ils vont pas comprendre que c'est le mioun qui a annulé le mariage. Ils vont dire que ce qui a annulé le mariage, c'est un tnaï. Et donc, ils vont dire, bon, on voit bien qu'on peut faire un tnaï dans les tweets. Les gens, ils vont pas percuter. Ah, c'était une ktana, donc ktana, elle avait pas de père, mioun, etc. Les gens, ils vont pas percuter. D'après Bat Hillel, il te dit, non, moi, ça me dérange pas. Les gens, ils vont très bien percuter. Il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, c'est ce que nous dit l'agma ici. Déjà, la Gemara, avant d'arriver à l'explication de Bet Hillel, elle te dit que la choupa, hein. C'est en fonction de l'interprétation des gens, ils vont croire qu'il y avait un tnaï derrière, ils n'étaient pas. Exactement, ils vont pas comprendre que c'était un mioun, cette histoire. Ils vont dire que si le mariage a été annulé, c'est qu'il y a eu un tnaï qui n'a pas été respecté. Peut-être que la femme lui a dit, je me marie avec toi à condition que, je sais pas moi, dans ton compte en banque, t'as tant et tant d'argent. Et après, quand elle voit les relevés, elle voit que c'est la même somme, mais avec le moins devant. Donc dans ce cas-là, elle dit que le tnaï n'est pas rempli. Dans ce cas-là, on dit que ça annule pas les nisouin. Maintenant, et on dit même que si c'était un tnaï qui était depuis le départ des kiddushin, il dit voilà, moi je fais les kiddushin à condition que telle et telle chose soit respectée, et elle découvre, elle n'a pas découvert au début, elle a découvert après les nisouin, même si la condition elle l'a mis dans les kiddushin, on considère qu'à partir du moment où elle fait les nisouin, elle est mochelet sur son tnaï. Maintenant, on dit à Gemara que les gens donc ils vont pas comprendre et ils vont se dire que tu vois bien qu'un tnaï marche dans les nisouin. La Gemara dit ah, je comprends bien pour un vrai nisouin, mais quand elle rentre sous la choupa, parce qu'en fait vous savez qu'il y a plusieurs étapes. Il y a la choupa qui est le nisouin, le vrai nisouin, mais il y a pas encore eu de bia, d'accord. Il y a pas encore eu de rapprochement par la bia, mais il y a quand même eu déjà les nisouin par la choupa. Et autre chose qui et un petit peu la même idée que la choupa et qui rentre dans la catégorie de nisouin. C'est quoi? C'est le fait de transmettre la fille au shluchim du Baal. Ça, on en parlera dans ma série de Koutouban aussi en long en large. C'est que la choupa, c'est finalement la choupa, c'est rien d'autre que de faire rentrer dans le domaine du Baal. Et la choupa, c'est une petite maisonnette. On dit que cette maisonnette, c'est la maison du mari, et tu la fais rentrer dans ta maison. C'est ça l'idée de la choupa. Donc, même quand on prend une fille et qu'on la donne au shlichim du Baal, le Baal, il peut pas venir, il habite aux États-Unis. Voilà, je vous envoie des shlichim en Israël pour aller chercher la petite, et puis vous la ramenez, et tu la transmets au shlichim du Baal. Enfin, même pas la petite, hein, même si c'est dans une douleur, en tout cas. Là, c'est déjà quelque part la choupa. Enfin, un début de nisouin. Donc là, si Bet Shamay, il nous dit que le mioun ne marche qu'avec la roussa, ça veut dire que même dans ces étapes-là, ça ne marche pas. Pas besoin d'avoir eu un nisouin avec la bia. Même s'il y a eu que la choupa, ça ne marche pas. Et même si ça a été transmis au shluchim, ça ne marche déjà plus le mioun. On a comment essayer de comprendre pourquoi. La choupa, c'était le symbole de l'isolement. Et ça me choque. Et alors, si le chaliar, comment le mari n'est pas là, donc il n'y a pas d'isolement. Il n'y a pas d'isolement, c'est vrai, il n'y a pas d'isolement. Alors, c'est pas complètement la choupa, c'est vrai. Dans ce cas-là, c'est vrai que c'est pas la choupa. La choupa, déjà, la choupa, est-ce que c'est l'isolement, c'est pas chouette. On avait déjà parlé d'un de ça. Que la choupa, il y en a qui disent que la choupa, c'est le yichoud. Pas tout le monde dit ça. D'ailleurs, c'est le Sfaradi, on ne tient pas comme ça. Mais en tout cas, il y en a qui disent que la choupa, c'est le yichoud, effectivement. D'après eux, il faudra dire que de transmettre avec les Oshlouchim, hein, c'est. C'est vrai, faudra dire que c'est pas complètement là, c'est vrai. Ou à moins qu'on considère que le fait d'être isolé. Non, pas être bachiliard, ouais. Non, c'est pas du tout ça l'idée. Ouais, c'est vrai.
Non, parce que je veux dire que peut-être isolé, c'est dans le sens, c'est pas. Ouais. Ouais. En tout cas, nous dit la Gemara, peut-être que c'est pas complètement une choupa, mais en tout cas, ça fait un genre de un début de nisouin. Ça fait c'est plus que iroussine, en tout cas, c'est déjà plus uniquement iroussine. Donc dans ce cas-là, Beit Shammai n'autoriserait pas le mieux. Donc la Gemara demande pourquoi. Alors la Gemara te dit dans le cas de choupa, parce que mai ikalim mal efficient nai choupa. Même dans la choupa, on ne peut plus faire un tnai. Masara avlish luché abal mai ikalim mal. Dans le cas où le père a transmis sa fille, enfin quand on dit le père, c'est pas le père, hein, parce que là il y a pas de père, c'est le la mère ou le frère a transmis la fille au shluchim du Baal. Maï Kalemar, pourquoi dans ce cas-là, tu me diras aussi, d'après Beit Shammai, qu'il n'y a plus de Miyoun. L'oplou Grabana, les Chachamim n'ont pas fait de différence. Tout ce qui a dépassé l'étape de Hiroussin, même si c'est vrai que la raison n'est plus appropriée, que dans ce cas-là, il pouvait encore y avoir un tnaï, puisqu'il n'y a pas encore eu l'Enisouin de manière complète. Il n'y a pas encore eu la Choupa, il n'y a pas encore eu la Bia. Donc, et c'est vrai que les Enisouin ne sont pas complètement validés, mais les Chachamim n'ont pas fait de différence. Tout ce qui dépasse les Hiroussin, ils ont dit l'oplou. Quoi qu'il arrive, on considère que le mioun, d'après Beit Shammai, n'est plus valable. Et Beit Hillel, lui, qu'est-ce qu'il pense? Beit Hillel, midaya, raide, nisouitana, dirabananinu. Il a toujours d'après Shmuel. Et Beit Hillel, lui, il te dit que ça me pose pas un problème que les gens, ils vont voir cette histoire-là. Ils vont pas du tout faire l'erreur de dire que c'est un tnaï. Ils vont très bien comprendre que c'est une ktana. Et, papa, encore. Ça a lâché. Donc, ils vont tout de suite comprendre que c'est une ktana. Ils vont comprendre que c'est une ktana et tentative de reconnexion. Je sais pas c'est quoi. Quelle alternative? Vous avez entendu que quoi? Si elle veut pas rester avec lui, elle peut faire quoi? Elle lui demande le get. Elle lui demande le get. Ah, donc la question, c'est. La question, c'est savoir est-ce qu'il y a le mioun ou le get. Mioun, c'est-à-dire mioun, elle lui donne pas son avis à lui, ou c'est le get, c'est lui qui doit le faire. C'est le mari qui doit le faire, le get. Mais d'une manière générale, le mioun, c'est elle qui le fait. C'est elle qui le fait, c'est pas le mari. Donc, de manière globale, si j'ai bien compris, selon Beit Hillel, elle peut faire mioun. Quoi qu'il arrive tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais. Avec tant qu'elle est ktana, elle fait mioun. Voilà, il n'y a pas de get. Il n'y a pas de get. Alors, sous-entendu. Non, enfin, si elle dit moi je suis bien avec lui, et que c'est le mari qui décide de se séparer, alors il donnera un get. Mais pour Beit Hillel, pour Beit Shammai, il y a alors forcément le guet. Lui, d'après Beit Hillel aussi, il y a le guet si jamais ça vient du mari. Si c'est la fille. Si c'est la fille, non. Si la fille, elle veut plus. La fille, elle veut plus, elle peut annuler complètement. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut que demander à son mari de lui donner le guet. Après, elle peut dire, attends, il y avait un mariage, il y avait une ktouba, pactole, moi je veux pas faire le mioun, je veux faire le que tu me fasses le guet. Selon Beit Shammai. Voilà, ils ont fait Kiddushin. Ils annulent tout, comme s'il n'y avait rien eu. Maintenant, le mec, il ne plaît pas. Voilà, comme s'il n'y avait rien eu. Comme s'il n'y avait rien eu. Elle ne peut rien faire. Elle demande le guet. Ouais, elle ne peut pas rien faire. Non, elle est coincée. Elle est coincée. Comme il faut marier. Normal. Alors, en tout cas, ce que nous dit l'Agma, ça, c'est l'explication de Shmuel. Maintenant, nous dit l'Agma, Rabba Veravio, c'est l'explication de Rabba Veravio, ça, vous aimeriez travailler. Est-ce qu'elle peut refuser de dire je vais les voir ou pas, alors? Alors, tant qu'on est encore dans l'étape. Tant qu'on est encore dans l'étape de Hiroussin, elle peut refuser. Quoi que. Elle a encore un petit délai pour refuser. Un temps de réflexion, quoi. Temps de réflexion. C'est ça, au final. Rabbi Rav Yosef d'Amrit Arvayou, eux, Rabbi Rav Yosef, ils te donnent une autre explication pourquoi Beit Shammai, ils ne veulent pas faire le mioun après les Hiroussin. Alors, ça se rapproche, mais c'est pas la même chose. Rabbi Yosef, non? Ouais, souvent ils sont. Rabbi Rav Yosef d'Amrit Arvayou, Tama de Beit Shammai, les fichiers, Adam Ose Beilato Beilatznout. Un homme ne veut pas que sa Beila devienne une Beila hors mariage. Et donc, si tu me dis qu'une femme peut faire le mioun même après les Nisouin, ça veut dire que le type, il se dit, je vais avec une tana, mais peut-être que dans deux semaines, dans six mois, dans un an, elle va vouloir faire le mioun. Et ça va, il s'avérera que tout ce que j'avais, c'était des Beila Znout. Moi, je veux pas. Donc, je rentre pas dans cette histoire avec la tana. La tana, elle fait tranquille, j'en veux pas. Donc, pour ne pas que les gens, ne refusent les mariages avec des ktanot, ce qui ferait que les ktanot seraient, pour rentrer dans les problèmes d'Efkerout, etc. Ben, pour ça, Beit Shammai, ils ont dit, tu sais quoi, t'inquiète pas, dès que tu fais une Beila avec elle, il n'y a plus d'annulation possible. Donc, ta Beila ne sera plus jamais une Beila de Zon. Donc, ça, c'est la raison de Beit Shammai. Donc, d'après ça, pourquoi dans la Choupa, il n'y a pas encore la Beila? La Choupa aussi, un homme, il n'aime pas que sa Choupa soit une Choupa faite avec une femme qui n'était pas sa vraie femme.
qui n'est pas sa vraie femme. Il n'aime pas. Alors, dans le cas de, qui a été transmis, parce qu'il y a une riba, parce qu'il y a une riba quand même. La roupa, c'est quand même qu'il y a une riba. Comme surtout d'après la vie qui dit que c'est Yehoud, c'est vraiment, ils étaient ensemble à Yehoud, en tête à tête, etc. Donc, il y a vraiment un rapprochement. Même si tu me dis que c'est pas un Yehoud, mais en tout cas, ils étaient ensemble sous la roupa, c'était, c'est pas un type, il aime pas, qu'on le rattache à une histoire, ah, je te rappelle ta roupa avec la Ktana, avec quelques années, etc. Ils disent, non, laisse tomber, c'est soit c'était un vrai mariage et il y a des divorces, etc. Ou soit. Donc, c'est pour broder les femmes, quoi. Un truc de féminisme. Non, au contraire, pour protéger que l'homme, pour ne pas que l'homme, lui, la réputation de l'homme, pour que l'homme soit mal à l'aise de dire j'ai fait une bilat znouj. Mais non, mais Belchama, il interdit. Pour l'homme. Pour la femme. Non. Parce que si maintenant, je t'interdis pas, on craint que quoi? Que les hommes ne prennent plus ces femmes, ces filles-là. Elles ont fait le milieu. Au final, oui. Je sais pas si c'est vraiment. Au final, il a raison. C'est pour ne pas que les femmes elles soient délaissées. Alors, on tient compte de la réputation des hommes, que ils vont se comporter pour ne pas. Non. Les femmes, on va dire que ça c'est. On sait que les hommes n'aiment pas ça. Voilà. Donc ils vont pas se marier. Oui, vous voulez prendre. Oui, l'ektanot. Alors maintenant, pourquoi la roupa? La roupa, même chose. Les fichiers. Alors, nous disons, les fichiers, un adam aussi bilato, bilat, znout. Nichnesa la roupa, l'on y va la maïkale, mais l'on y chale des tiévé, roupa, des isoua. Un homme ne veut pas que sa roupa soit faite une roupa de la soie. Maintenant, Masarav, les shlouchim, la maïkale, mais marlo plou gramalan. Maintenant, dans le cas où on a transmis la femme au shlouchim, donc là, il n'y a pas eu de rapprochement, il n'y a pas eu de roupa, il n'y a pas eu de berila. Pourquoi, malgré tout, Béchama, ils n'aiment pas ça? Parce que le plouk, les ramis n'ont pas fait de différence. Dès que ça a dépassé le shlav des Hiroussin, Betchamay, ils disent qu'il n'y a plus de millions de possibles. Ou Betilel, Kevan, des Ika, Kidushin, Vektuba, Lo, Atoulé, Meymar, des Beriyatob, et Lazout. Tu dis, non, c'est pas la même chose. D'après Betilel, il te dit, c'est vrai que le mariage va être annulé. Mais finalement, au moment où il s'est marié avec elle, il y avait des Kidushin, il y avait une Ketuba. Tu ne veux pas dire que la relation qu'il a eue, c'était une relation hors mariage. Donc les types ils vont pas dire non moi je ne fais plus de mariage de Ktanot de peur qu'elle va annuler et rétroactivement ce sera un truc qui est hors mariage. Non, on sait très bien que t'es un type sérieux, quand t'es parti avec elle à ce moment-là t'étais marié avec elle, donc les gens ils vont pas être freinés par ça. Ah il faisait une ketouba finalement? Ouais. Bien sûr. Il n'y a pas de mariage sur ketouba. Après des carreaux des Kefemune, elle est passée ketouba. Mais on va pas lui donner ketouba alors qu'elle a fait le mioune, elle a annulé le mariage. Mais au départ on lui donne ketouba. Bien sûr. Rav Papa, troisième explication, Rav Papa il nous dit. Rav Papa, Amar, Tama de Betchamay, Mishum Pire. La raison de Betchamay, c'est à cause des perrottes. Les perrottes, vous vous rappelez, on avait dit que la femme, quand elle arrive avec Sénir Semilog, elle a son hôtel Avenue Montaigne, et lui, il encaisse les loyers. Tous les mois, il vient, il va chez les. Avenue Montaigne. C'était à Créteil. Ah, d'accord. Ou alors, son hôtel particulier au-dessus du marché de Sarcelles. Fanal. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, il y avait des perrottes. Ouais, alors, qu'est-ce qui change? C'est ses parents qui ont pu l'en marier. Donc, bien sûr. Donc, elle est rentrée avec des biens. Donc, si elle est rentrée avec des biens, le truc, c'est que. Alors, quel est le problème? Si on dit que le mioun est valable après le nisouin, lui, il va être mafsid les perrottes. On sait qu'on avait déjà vu ça, qu'avant le nisouin, le mari ne touche pas les perrottes. Quand elle est juste à Roussa, il n'y a pas de perrottes. Il ne touche rien. Quand est-ce qu'il commence à toucher l'argent? Seulement après les Nisouin. Maintenant, pour ne pas qu'ils soient mafti les perrottes de Nirsemilog, donc, parce que si le type, tu vas lui dire, attends, il va peut-être avoir mieux, il sent que la petite, la fille, elle va être refusée, il va commencer à faire n'importe quoi avec les perrottes de Nirsemilog, même si c'est vrai que ça lui revient, les perrottes de Nirsemilog, mais il va commencer à faire n'importe quoi, et ça, on veut pas. Il les touche. Mais oui, mais le problème, c'est que s'il va avoir un mioune, la femme, elle va tout récupérer. Le problème, c'est qu'il n'y a rien. Donc, il claque l'argent avant de. Alors, si l'argent qui est claqué, il est claqué. S'il y a après Mioun, la femme, elle récupère les perrottes. Elle récupère les perrottes, bien sûr. Elle récupère les perrottes. Les loyers non encaissés, ça c'est madaille. Mais même les loyers encaissés. Même ceux qu'il a perçu, alors, le mari. Ceux qu'il a perçu et qu'il a dépensé. Attends, Mekhila, t'as déjà. Le mariage, il est annulé. L'argent, il est là, tu le récupères. Ça existe un mari qui profite des perrottes après une signe juste pour savoir, parce que je n'arrive pas à comprendre. Ça existe ça? Bah, non, pas après. Après, après une signe. Tu sais que. Non, parce qu'on parlait de racines plutôt que des fruits. En tout cas.
Le problème, c'est que vu que le mari, il va devoir rembourser les perrottes, dès qu'il va te rendre compte que la fille, elle parle de bio. Ce qui est consommé, c'est consommé. Non, elle récupère que ce qui est encore là. Donc elle récupère. Rétroactivement, je crois pas qu'on tienne un compte de ce qui a été mangé et que. Non, alors, il n'y a plus rien, donc il doit normalement. C'était un petit peu le prix à payer pour que ce mariage thématique ait lieu. Quoi. Dans ces conditions, quelle est l'idée de Yflan? Il n'y a pas l'idée de dépenser, puisque de toute manière, il ne rembourse pas, il va dire, de toute façon, ce que je dépense, C'est mort. Donc il va dépenser ça. Il revient après à la fille. Ce qui est bien, et les perrottes qui restent, il va pas rembourser les loyers, tout ce qu'il y a en fonds courants. Les fruits qui ont été cueillis, qui ont été mangés, ils ont été mangés. Ok, c'est comme si c'était la femme qui les a mangés quand c'est marié. Non, s'il a des fruits sur là, la femme récupère tout. Pourquoi lui te dit ça? Aussi Michoum Pire. Ragma va expliquer tout, elle va expliquer ça plus en détail. Raf Papa Amar, Tama de Bechamay Michoum Pire, Tama de Bechamay Michoum Pire, Tama de Bechamay Michoum Pire, De I Amar, Tani Nesua, Temain, si tu me dis que la Nesua, elle peut faire le Mioun, Shamit, Ve Achil, Lamine, il va s'esquiver, il va lui manger les fruits, il va se dire, des sauf, sauf, les Mipak Kaima, il dit, de toute façon, on va me divorcer, donc je mange tous les fruits. Ou Betilel, il veut dire, Yadraba! Bethilel te dit non, pas du tout! C'est pas, au contraire! Bethilel, il te dit au contraire! Dès que le type il voit que la femme elle doit commencer un petit peu à parler de Mioun, il va tout faire pour être le gentil mari pas abîmer les perrottes, mais au contraire les arranger encore mieux pour rester là-bas, pour ne pas qu'elle le vire. Si je m'y prends pas et si je suis pas genre le gentil mari, il y a de les crevés, ses proches vont lui conseiller de me jeter, ou m'y éliminer, ils vont la faire sortir de moi. Donc c'est pour ça qu'il va faire le gentil mari. Ça c'était la troisième raison, la raison de Rav Papa. Quatrième raison, la raison de Rava. Rava Amar, Aïdou Tama de Betchamay. Là c'était Rav Papa ça. Là-bas c'était Rabba et Rav Yosef. Rabba et Rav Yosef, donc c'est Rava avec un Aleph. Rava Amar, Aïdou Tama de Betchamay. Chez un Adam Torah Bessiouda ou Mafsida. Un type, il ne prend pas traiteur, salle, orchestre, photographe, Khaïda. Si on sait que ce mariage-là, dans deux jours, la fille, elle peut refuser le mariage. Bah, dis, attends, la fille dit, j'ai envie d'un resto, je sais que ce mari-là, il fait des gros mariages, gros traiteurs, etc. Bien, je vais marier avec lui. Et lendemain, je fais un million. Non. Un homme n'est pas toréard de payer une Seouda pour le lendemain risquer de la perdre entièrement. Donc, c'est pour ça que les gens, si on tolère le mariage, le million après le mariage, les gens encore une fois la même chose, les gens ils vont pas se marier avec la note et ça va entraîner la même chose. Tandis que d'après Bethilel, il te dit non, pas du tout, les types, ils aiment bien qu'on dit quoi, ouais, c'est un homme marié, il a été marié, ça fait classe. Au Bethilel, t'as travaillé au Nihalio, qui est l'impact à la Yukala des Joutes, pour que ça sorte sur lui que, ouais, c'était un mari, lui c'était un homme marié, etc. Très bien, maintenant on va voir la deuxième marloquette. On avait vu que marloquette Beth Shammai et Beth Hillel. Ça c'est la première marloquette. On a vu 4 avis. Non, 4 avis. Rav Yudano de Shmuel, Rabba Bar Yosef, Rav Papa et Rava. Pour expliquer pourquoi Beth Shammai. Donc on explique Beth Shammai. En réalité, même si la chakra comme Beth Hillel, mais on explique Beth Shammai que pourquoi seulement Be'arusa. Ça c'est le premier point. Maintenant on va parler du deuxième point et de la deuxième marloquette. Qui est est-ce que la Yebama peut faire le Mioun, enfin la femme peut faire le Mioun avec son Yabam? Alors ça on avait dit que d'après Beth Shammai, non, d'après Beth Hillel, oui. Alors c'est ce point-là que moi je vais l'expliquer. Amar Bioshaya, mais alors là on va essayer de parler, de voir est-ce que le Mioun il est envers le mariage initial ou envers le Yabam. On va donner plus d'informations sur ça. Amar Rabbi Hoshaya, mais maïnet les ma'amar, veina mais maïnet les zikato. Rabbi Hoshaya, lui, nous dit que le mioun qui est fait, il est envers le ma'amar. C'est-à-dire qu'en fait, quand il dit, Beth Hillel, qu'on peut faire un ma'amar, elle peut faire un mioun envers le yabam, c'est si le yabam, il a fait un ma'amar, il a commencé un kidushin envers elle. Vous vous rappelez, on avait parlé que le type, il a voulu commencer un yiboum, il a fait un genre de un kidushin, qui normalement n'a pas lieu d'être, puisque avec le yabam, il n'y a pas fait un kidushin, mais lui, il a fait un kidushin. Il n'y a pas de mioun que sur la zika, exactement. Sur la zika, une femme, elle n'est pas encore mariée avec ce personne à qui tu fais une telle. Pour l'instant, t'es rien, t'es dans l'air. T'es chômé à Yabam. Sur le Yabam. Qui dit qu'il y a le mioun envers le Yabam, c'est un mioun qui est envers une personne qui a déjà entamé le processus.
qui a fait le Mahamar. Amar Bechaya, mais même le Mahamaro, mais même le Zika. Elle existe. Voilà qu'elle existe, que la Zika, elle l'empêche de se marier à l'extérieur, etc. Bien entendu qu'il y a une Zika. Maintenant, après, c'est vrai que dans ce qu'on avait parlé du Bémastrès, est-ce qu'il y a Zika, N-Zika, c'est vrai que là, ça va plus dans le sens que N-Zika. La Zika n'est pas forte. C'est pas une Zika forte. Maintenant. En tout cas, nous dit la Gomara que d'après Rabbi Oshaya, ce que Beth Hillel donne comme alakha de Mioun envers le Yabam, c'est si le Yabam il a fait un Mahamar. Vena Mimenet les Zikato. Amar Frisda, Maïta Madi Rabbi Oshaya. C'est quoi l'expression de Rabbi Oshaya? Mahamar Demidata Matsya Akra. Le Mahamar qui est fait par elle-même. C'est elle. Enfin, Demidata. Le Mahamar il fait avec sa volonté. C'est elle qui a accepté de recevoir un Kiddushin de la part de ce monsieur-là. Le Mahamar c'est un Kiddushin. Kiddushin c'est toujours avec l'accord de la femme. On fait pas des Kiddushin à une femme de force. Donc même dans le Mahamar qui est le Kiddushin qui est fait envers une Yébama, c'est dans le même ordre d'idée. C'est la même chose. C'est le même processus. Du tabat, il donne un tabat, avec mes coups d'échelle de lit, etc. La même chose que des vrais Kiddushin. Jusqu'à on appelle ça du Mahamar parce que c'est les Chachamim qui ont donné cette halakha de donner cette possibilité-là de Kiddushin envers une Yébama. Mais en tout cas, à partir du moment où c'est fait de sa volonté, c'est elle qui a donné lieu à ce Mahamar. Donc elle qui a donné lieu à ce Mahamar, elle peut l'enlever. Quand c'est quelque chose qui dépend d'elle, elle l'enlève. Tandis que la Zika, ça lui tombe à Shamaïm. C'est pas elle qui... Non, même si c'est vrai qu'à la base, ce mariage, c'était elle qui l'a continué, etc., le mariage avec le premier frère. Mais là, maintenant, qu'elle tombe en Yiboum devant le beau-frère, c'est une Zika qui lui tombe à Shamaïm. C'est pas elle qui l'a créé, cette Zika. J'ai oublié, le Yiboum, il peut être fort. Le Yiboum, il peut être fort, mais par contre, le Mahamar, il faut l'inventer. Exactement, il faut l'inventer. Le Mahamar, il faut l'inventer, exactement. Donc, ce que nous dit Agma ici, Mahamar de Midata Matia Akra, ce qui dépend d'elle, elle peut le déraciner. Zika de Baal Karra, la Zika qui est indépendamment de sa volonté, l'eau Matia Akra ne pourra pas l'enlever. La Gma dit pourtant Bia, Vare Bia de Baal Karra, ou Matia Akra. La Bia, c'est quelque chose qui, comme on a vu, qu'une Bia, un Yabam qui va faire la Bia d'une Yabama, elle est considérée comme Yabama, même si c'est contre sa volonté, et elle peut après faire le Mioun sur la Bia. Donc pourquoi sur la Zika, elle pourrait pas faire le Mioun? Et moi, je dis, alors finalement, c'est quoi l'explication? Et la Bia ou Mahamar, Dehu Kavid Matiakra. Quand c'est quelque chose qui dépend de leur action, on va dire le Mahamar, c'est le mari qui a fait le Mahamar, la Bia, c'est le mari qui a fait le Bia, ça, quelque chose qui n'est pas Mina Shamaïm, la femme, elle peut faire un Mioun pour l'annuler. Par contre, la Zika qui est la conséquence Mina Shamaïm de la mort du mari, ça, la femme ne peut pas l'enlever. Zika de Rahman Arameale, le Matiakra. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, donc encore une fois, Rabbi Oshaya, lui a dit que le Mioun, il est sur le Mahamar, pas sur la Zika. Tandis que Oula Amar, mais Maenet afle Zikato. Le Mioun, il peut même être envers la Zika. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de Mahamar. Elle a un Yiboum, elle a 5 frères dans lui. Elle dit, allez, basta. Mioun. Et c'est tout. Elle fait le Mioun sur la Zika. Maïtama. Pourquoi? Parce que Niso et Kamae, Kaakra. Finalement, quand elle fait le Mioun, c'est pas. Parce que le vrai problème, il est quoi? Le problème, il est que. À partir du moment où il n'y a pas encore de type précis, vu qu'elle est encore, elle est que en Zika, elle est Shomeret Yabam, il n'y a pas un mari précis, donc à qui tu veux faire Mioun? Tu dis je ne le veux pas, à qui? Il prend peut-être devant personne. Pour l'instant, t'en attends. Shomeret Yabam. Donc, on verra une différence s'il y a un seul Yabam ou il y en a plusieurs. Mais en tout cas, pour l'instant, elle est devant personne. Donc, les Chora, à qui elle va faire le Mioun? Réponse, elle va faire le Mioun du mariage initial. C'est le mariage de base qu'elle va annuler. Donc d'après Oula, il te dit qu'elle peut faire le Mioun même sur la Zika. Pourquoi? Parce que ce qu'elle déracine, c'est le mariage initial. Donc, et le mariage initial, c'était envers un monsieur qui est mort, certes, mais qui... Il n'y a rien. Donc ça annule tout. Donc même la Khalissa, ça annule les mafrères. C'est-à-dire que... Pour déraciner la Zika, on fait Mioun avec un mort. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que le fait, d'après Oula, on peut faire le Mioun sur le mariage d'un mort. Tandis que d'après Rabbi Oshaya, le mort, il est mort et enterré, dossier classé. Tandis que maintenant, si vous faire Mioun, c'est Mioun avec la suite. Ouais. Donc, il faut qu'il y en ait un. Mahamar. Le Mioun après Mahamar, c'est qui? Le Mioun après Mahamar, c'est Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya. Et Oula, lui, te dit Mioun même avant Mahamar. Dès qu'il y a la Zika. Maïtama, Nisoui Kamaï Kakra. Alors maintenant, Agma va poser des questions sur Oula. Et Tivé Raval et Oula. Kolchi, Kola, les Maïen, Velomiena, Tsarata, Kola, Tsel, Velomitia, Bemet, Véamai, Témaïen, Achta, Vetakri, Noule, Nisoui, Kamaï, Vetitia, Bem, Tsarata. Alors ça, on avait dit dans le début de la Maséchet, on avait dit que si jamais une femme, elle est Ktana, et elle tombe en Yiboum devant son frère. D'accord? Ou devant son père, ou devant son. On avait dit que devant son père, ça pouvait arriver aussi si jamais elle était mariée une première fois, etc. Ouais. Mais en tout cas, elle tombe en Mioun devant son père, mais elle était Ktana, elle pouvait faire le Mioun. Et elle n'a pas fait le Mioun. Donc c'est-à-dire que, en d'autres termes, elle est mariée de Rabbanan. Elle n'a pas fait le Mioun pour l'instant, elle était encore mariée avec le premier. Donc elle n'interdit pas les autres. Ah, exactement. Elle ne fait pas sauter
le yiboum des vôtres, mais tu ne peux pas faire le yiboum l'autre. Parce qu'il y a quand même la herva, sarat herva, c'est conforme à une sarat herva. Donc elle fera khalitsa et pas yiboum, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Mais pour question de l'agma, si, d'après toi ou là, elle peut faire le mioun, même maintenant quand elle est en stand-by. Qu'elle fasse le mioun, comme ça au moins, elle saute et puis l'autre elle fait le yiboum. Voilà, pourquoi on ne dit pas ça? L'agma, ça ressemble trop à de sarat herva. Ça ressemble trop. Cette femme-là, elle a été mariée pendant 3-4 ans quand elle était avec l'autre. Elle était la tsara de la fille de ce monsieur. Et là, putain, après, elle va faire le hiboum avec ce monsieur-là, là, alors qu'elle est la tsara de sa fille. Donc là, c'est la tsara de quand même, ça vont déraciner un deraïta sur un deraïta banane. C'est là où le deraïta et le deraïta banane se rendent compte, puisque finalement, là, quelque part, cette femme-là, elle était. Ah, mariée d'Oraïta, la Ktana. Ah oui. Donc, et donc, Midoraïta. Fais pas sauter, on va demander la Khaïta parce que oui. On va demander la Khaïta parce que oui, bien sûr. On nous dit que Maravéa Maïté Maïen Ashtam et Takrinoïn Sourika Maïet, Titiabem, Sarata, Diagma, Saraterba Chan. Quand c'est Saraterba, c'est différent. Comme on a vu des Tanara Mibaraï Cheskel, Miena Bebaalat, Bebaal, Mouteret Laviv. On sait que par exemple, imagine-toi une femme qui a fait le Mioun envers un monsieur. Elle pourra, vu qu'elle a annulé le mariage de ce type-là, se marier avec son père. Pourquoi? Parce qu'on avait vu qu'on avait déjà parlé de ça dans le périple d'avant. Donc là, il n'est pas considéré le mariage. Ah d'accord, donc le mariage, il n'est pas considéré. Même elle a eu des relations avec le père, avec le fils, je veux dire. Ouais. C'était pas dans le cadre d'un mariage. On avait dit que c'était Mefoutat Bno. Donc d'après ça, donc là, elle peut se marier avec le père. Ça, c'est Miena Bebaal, Mouteret Laviv. Maintenant, Beyabam, par contre, si elle a fait le mioun Beyabam, Asura le Aviv. Pourquoi? Alma Beshad Nefila Nired Kekalato. Le fait qu'à un moment, elle a l'air d'être sa belle-fille, d'accord? Ça pose un problème. Et alors, tu vas me dire, le mioun, c'est un petit peu la même chose. On te dit non, le mioun, ça annule tout complètement. Mais là, quand il y a eu la mort du premier mari, qui était le fils d'un type. Et après, elle fait mioun et elle annule. Au moment de la mort du type, elle s'appelait la Kala. C'est un niré, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui. Donc, on voit ce niré, ce marguerite qui est très fort. Et donc, pareil, la même chose aussi dans notre cas, nous. Quand c'est la tsara d'une herva, c'est vrai que la fille, elle peut faire le mioun d'après Roula. Elle a décidé de faire le mioun et ça va annuler le mariage. Et le deuxième pourrait faire le mioun potentiellement, c'est vrai. Mais on laisse pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça ressemble trop à tsara d'herva. Non, là, on a dit. Ça ressemble à Tsara Terva, ça veut dire quoi? Ça ressemble à Tsara Terva, ça veut dire que là, finalement, celle-là, quand elle va se marier avec le frère, elle va dire, attends, on va dire, toi, t'étais la Tsara de la fille sur le jeu, là, comment t'as pu te marier? Après, les gens, ils vont pas comprendre que non, mais elle a annulé ce mariage, comme si ça n'a pas existé. Toujours la réputation de l'extérieur. Toujours le maritime, exactement. Nous dit l'agma. Détanir Abeba et Cheskel, ça on a dit. Miyana Abeba al-Mouteret la-Aviv, Beyaba, Masura la-Aviv, Alma, Bechad Nefila, Niret Kikalato, Achanami, Bechad Nefila, Niret Ketsat, Bito. Il y a un problème de maritaï. Amarra, Miyana Beze, Asura la-Aviv. Voilà. Maintenant, si jamais elle a fait le mioun envers l'un, elle est interdite de faire le yiboum envers l'autre. Imaginons qu'il y a eu un Mahama. Ou alors, même sans Mahama. Miyana, elle a fait. Elle avait plusieurs frères. Non, mais on va voir. Est-ce que c'est bon? Oui, t'as raison. Forcément. Si d'après Rabbi Yoshua, il y avait un Mahamar, parce qu'il n'y avait pas de mariage mioun qui est possible. En tout cas, elle a fait le mioun envers un des frères. Est-ce que le mioun, il a complètement annulé le mariage? Parce qu'en réalité, ici, c'est un petit peu vicieux. Parce que quoi qu'il arrive, que tu annules le mariage, ou que tu me dises que le mioun, il est que envers lui, quelque part, tu pourrais te marier avec le frère. Parce que si tu annules le mariage, donc il n'y a jamais eu de mariage envers la famille, donc tu peux te marier avec le frère. Tandis que, et si tu me dis que c'est un mioun, tu annules avec ce frère, peut-être que tu peux quand même, tu as annulé la zika envers ce frère-là, mais la zika envers le deuxième, elle reste. Et tu peux avoir une zika. Et donc tu pourrais avoir. La zika est toujours multiple au départ quand non, tu as mais plusieurs. Si tu l'annules, elle est annulée. Ah voilà, justement. Mais c'est ce qu'on voit ici. Si tu annules la zika, il n'y a plus de zika avec un autre. Alors, oui, le problème, c'est qu'il n'y a plus de zika. Il n'y a plus de zika, mais elle reste quand même la femme du frère. Qui a eu un lien de zika avec un des frères, donc elle ne pourra pas faire le hiboum avec le deuxième. Ou alors, on va dire que non, elle a tout annulé complètement, comme si elle n'avait plus rien à voir avec cette famille-là, et donc elle peut se marier avec le deuxième, comme une femme étrangère. Si on annule la zika, ça veut dire qu'on annule que la zika et pas le mariage. Si tu fais si on annule la zika, voilà, mais Khalitsa, elle ne peut pas se marier avec le deuxième frère. Donc si tu annules. Donc elle ne peut pas se marier avec le deuxième frère, alors. Tu annules la zika complètement. Si on annule la zika complètement, mais ça veut dire que. Elle est quand même. Elle était mariée au départ avec Reuven. Ouais. Reuven, il meurt. Et elle tombe en yiboum devant Shimon et Lévi. D'accord. Elle fait un mioun envers Shimon. Est-ce qu'elle peut faire
le hiboum avec Lévi ou pas. Sachant que... Alors justement, le mamar, avec le mamar. Voilà, exactement. Voilà. Ce qu'il dit Rav, c'est que Mien a baisé à Soura lésé. Pourquoi Mité d'avait à Balad Get? Il dit que c'est comme un get. C'est comme une femme qui a reçu un get. On sait très bien que c'est une femme qui a reçu un get dans des frères du hiboum. D'accord. Et bien ça y est, grillé. Cette famille-là, elle a plus rien à faire avec cette famille-là. Pourquoi? Parce que on sait, ça fait partie de Kevin Chilobana, Chouvlo Yivne. À partir du moment où avec un des frères, elle n'a pas décidé de continuer de faire le yiboum, bah avec aucun des frères, elle peut faire le yiboum. Il y a eu un guet. C'est-à-dire, c'est bon. Avec cette famille-là, elle a décidé de se séparer. Elle veut plus se marier avec le deuxième. Donc, pareil ici aussi, nous dit Rav, elle a fait le mioun avec un des frères. Elle ne peut plus faire le yiboum avec le deuxième frère. Mien a baisé à Soura lésé. Mide d'avait à Baataget. Baataget, lave qui vendait Itzera, la lecha d'Itzera, le ou le coulou. Achana Milo, Shana, c'est la même chose. Shmuel, il dit pas la. Shmuel, il est. Quoi, quoi? J'ai pas bien compris. Elle fait le mioun avec le mort. Le mort, il est mort. Non. Elle a fait le mioun avec Shimon. Avec Yabam. Il y avait Shimon et Lévi qui étaient les deux Yabamim potentiels. Envers Shimon, elle a fait le mioun. Elle a dit, toi, Shimon, oublie-moi. Mioun, je veux pas de toi. Elle pourra pas aller avec l'autre. Est-ce qu'elle peut maintenant aller avec Lévi ou pas? Non, elle mioun, c'est par rapport à qui elle est mariée. Justement, bon, là on a. Elle est mariée avec quelqu'un. On a rapporté justement. Elle est en mon hiboum. Devant un autre. Elle est en mon hiboum. Ça devant. Veut dire que c'est son mari qui est mort. Son mari est mort, bien sûr. Son mari il est mort, maintenant elle tombe en hiboum. Alors comment lui il peut lui faire. Alors maintenant on a parlé juste avant la marloquette entre Oula et Rabbi Oshaya. Est-ce qu'on pouvait faire le mioun alors que pour l'instant elle n'avait pas encore eu de mahamar avec. Le yabam en question. Maintenant, prenons, disons que il y a eu un mahamar, envers un, disons. Alors, je suis même pas sûr qu'on ait oublié qu'il y a eu un mahamar. Mahamar ou sans mahamar, Rashi précise pas. Rashi dit que miena yebama bechad minachim yebamim asura lekulan. Elle a pas, même sans mahamar, on va dire sans mahamar. Disons que elle a fait le mioun envers un des frères. Parce qu'elle pouvait faire le mioun avec un frère d'après la Hidra, apparemment, même s'il n'y avait pas eu de mahamar. Elle a fait le mioun envers un des frères, ça l'interdit aux autres frères. Mais pourquoi elle fait mioun avec un des frères, puisqu'elle pourrait faire mioun avec un des frères? Elle lui a dit, toi, chez moi, je ne te veux pas. Ah, mais puisqu'elle veut Lévi. Elle a calé avec Lévi. Elle a calé avec Lévi, c'est vrai. Et pourquoi elle veut? Elle a fait un mioun. Elle a fait un mioun parce que chez moi, c'était grand frère. Il lui a dit, moi, je veux faire le mioun. C'est vrai. L'idée c'est qu'en fait, elle fait mioun alors qu'elle veut l'aider. Elle veut enlever la zika de Shimon. Shimon, toi, je te veux pas dans la zika. D'accord, mais elle veut avoir la zika avec Lévi, donc elle peut aller avec Lévi. Elle peut aller avec Lévi, c'est vrai. Mais elle a fait un mioun. Pourquoi elle a démarré par un mioun envers Shimon alors que c'est pas nécessaire, elle peut dire. Parce que non, en réalité, c'est les Yébamim qui décident. Et le Yama qui dit, entre les frères, ils sont mis d'accord, c'est Shimon qui va faire le Yiboum. Elle a dit, Shimon il arrive pour le Yiboum. Elle dit, tu vois, Shimon, toi je te veux pas. Elle fait Mioun, je veux pas. Donc maintenant, nous dit la Gemara que. Par moi que les frères sont mariés. Non, le grand. Alors, tu disais pas bien. Non, avec ses parents. Si jamais on veut pas. Avec un. C'est pas compris. Elle, son mari est mort. Ouais. Elle a tout. Ouais. Et entre temps, ses parents à la fille l'ont mariée avec un homme. Non, pas entre temps, non, c'est pas du tout. Mais comment elle peut faire mine avec un homme? C'est marrant, ses parents ils l'ont mariée avec un homme. Elle est mariée avec qui? Avec Réhouven. Réhouven il meurt. Bon. Elle tombe en hiboum devant les autres frères. C'est la suite du mariage. Oui. Elle tombe en hiboum. C'est un hiboum, tout ça, c'est du dérabanane parce qu'elle n'était pas vraiment mariée cette femme. Elle tombe en hiboum maintenant devant. Devant Shimon, elle était devant Shimon. Maintenant elle dit Shimon, toi je te veux pas. Mioun, je veux pas de toi. Mioun, elle est pas mariée avec lui pourtant. Elle a rien à voir avec Shimon, voilà. Mais elle fait le mioun avec lui. Elle fait le mioun. Comme on a dit d'après Oula, elle peut faire le mioun. Elle fait le mioun sur Azika. Elle dit, moi envers toi Shimon, j'ai une Zika. Je suis pas marié certes, mais on a une Zika. C'est comme si le mioun s'est reporté sur. Exactement. Donc je fais le mioun de la Zika. Je fais le mioun de la Zika envers Shimon. Maintenant, est-ce qu'elle peut. Est-ce que ça veut dire qu'elle a effacé une moitié de la Zika? Parce qu'elle avait une double Zika. Elle avait une Zika avec Shimon et une Zika avec Lévi. Est-ce qu'elle peut annuler la Zika de Shimon et se rabattre sur Lévi maintenant? Ou alors non, elle a annulé Shimon. Bah, c'est bon, elle peut plus, elle va se rabattre sur Lévi. Marlodin, on croit au Shimon. Après, Rav, Assour. Shimon Amar, Mien Abedé, Mouteret Lévé. Velo Damien, les Balataguet, ça ne ressemble pas aux Balataguet. Pourquoi? On va arriver juste aux deux points. Mizagma, Balataguet, ou des Kavidba.
Acha, c'est Oud Khavidba. Dans le guet, c'est lui qui le fait. C'est le mari qui donne le guet. Donc là, oui, quand le mari donne le guet, effectivement, là, ça rend du passé de tous les autres frères. Tandis que le Mioud. Le guet à la place du Khalitsa, le type, il a fait un guet, exactement. À la place du Khalitsa, le Yabam, il a fait un guet. On avait dit que ça rendait pas saoul à toute la famille. Alors maintenant, nous dit la Gemara, alors que Acha, Ikav, Dabé, Damra, Loraina, Becha. Loraina, c'est-à-dire Lorotse. Je ne veux pas. L'autre Savina Bach, je ne suis pas intéressé par toi. Bach ou de Loraina, Abechavrach Raina. C'est que dans toi que je ne veux pas. C'est que toi, Shimon, que j'accepte pas. Mais par contre, ton frère, je veux que j'accepte. Donc elle a refusé la Zika de Shimon. Maintenant, Ravashi te dit, Mina Beze, Muteret, Afilulo. Tu sais quoi? Dès qu'elle refuse, et là, c'est un petit peu plus, je pense que ça, si vous avez préféré cet avis-là. Parce que là, le Mioun, il va carrément annuler le mariage initial avec le mort, et donc elle est lourde, elle peut même se remarier avec le Shimon en question que hier elle ne le voulait pas, aujourd'hui elle le veut. Alors là, à Fuloulou elle peut. Puisqu'on disait depuis tout à l'heure, et les gens ils vont dire ah non, les gens ils vont dire. Là les gens ils vont dire plein de choses. Les gens ils vont dire un gros balagade. Ramassi Amar, Mien Abézé, Moutiret, à Fuloulou. Alors l'agma dit, Lema Kirabi Oshaya. Alors l'agma veut essayer de rapprocher ça. Les gens ils vont dire. C'est quoi cette histoire? Ben voilà, on peut casser une zika, on se marie avec l'autre. C'était qu'elle a fait Mioun avec le mort. Ah, exactement. Maintenant, regarde ce que nous dit Agma ici. Ravashi nous dit que Mien Abézé Mouteret Afiloulo. Agma dit, est-ce que Lima qui Rabbi Oshaya, Zirale, est-ce que ça veut dire que lui pense comme Rabbi Oshaya, Damar Enamemaenet Lezikato, est-ce qu'il a comme Rabbi Oshaya? Ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Oshaya? Rabbi Oshaya lui avait dit que le Mioun il est que sur le Mahamar, il n'est pas sur la Zika. C'est-à-dire le Mioun il est envers le Yabam, il n'est pas envers le mariage initial. Donc, ça voudrait dire ici a priori que lui penserait comme Rabbi Oshaya ou pas? Je dis que moi, non, pas juste, je ne pense pas comme Rabbi Oshaya. Parce que... Pourquoi? L'inverse, on a dit. Comme Oula. L'agma te dit non, Bechad Yabam. Mémane, le Zikato Bechad Yabam, Achinami. Des matières Akha. Akha, Bishne Yabami, Maskinan, des El Mioun et Khatizika. Lui, il te dit, tu sais pourquoi ici ça ne marche pas? Parce que là, il y a deux Yabamim. Il y a Shimon et il y a Lévi. Donc, vu que d'enlever que la Zika de Shimon, ça voudrait dire Kabiachol, que tu es une Khatizika. Ça n'existe pas une chatzizika. Tu ne peux pas faire un mioun que d'une chatzizika. Soit la femme qu'on considère qu'elle a été mariée avec le premier au départ, et donc, conséquence, elle a une zika complète envers tous les frères, soit rien du tout. Il n'y a pas de mioun sur une chatzizika. Donc, effectivement, elle a pu annuler. Hein, ça a tout annulé. Si elle veut pas de la zika, elle a tout annulé de la zika. Et donc, elle pourrait même revenir, même se remarier avec lui, finalement, si elle veut. Alors maintenant, la Gemara termine sur ça. On est juste sur deux points là, ici. Kata Rabbi Amar Rabbi Yochanan, Miana Bezé Mouteret Lachin. D'après Rabbi Yochanan, elle est Mouteret que au frère. Velo Odulo. Et n'ont pas été d'accord avec lui. Alors, il y en a qui disent que l'Odulo, ça veut dire l'Odulo de dire que les Mouteret Lachin. Et ça irait comme Rav, qui a dit que les Asura Wachin. Et Rav Amar Rabbi Oshaya, Vamrila Ravasi, on a qui disent que c'est Rabbi Oshaya, Rabbi Yasi, qui a pas été d'accord, qui dit carrément Moutar même avec lui, carrément. On reprendra bien demain là, deux points.